الحمد لله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Dieu élève et honore davantage en degré le rang de notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, et on demande à Allah de préserver la communauté du prophète Muhammad de ce que le prophète Muhammad craint pour elle. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Cet audio est une réplique au tract intitulé « Le seul crime que Allah ne pardonne pas », qui est un tract qui a été distribué durant le mois d'avril 2011 à différents endroits. Donc durant le mois d'avril 2011, ce tract qui s'intitule « Le seul crime que Allah ne pardonne pas » a été distribué pour soi-disant expliquer différents jugements relatifs à la religion musulmane. Ce tract a pour prétention d'expliquer ce qu'est le shirk, c'est-à-dire l'association, la mécréance. Suite à l'exposition de différents sujets, ils finissent ce tract en expliquant que la personne n'est jugée musulmane que si elle reconnaît que Allah est fils sama. C'est-à-dire que ces personnes, ces gens qui se font appeler salafistes, qui sont les wahhabites, ne jugent la personne croyante, c'est-à-dire musulmane, que si elle reconnaît que Allah est fils sama. Suite à cela, ils disent que Dieu nous préserve de telles paroles, que Allah est fils sama, et que ici, fi veut dire au-dessus. Donc ils prétendent que Dieu est au-dessus du ciel, alors que c'est Allah qui a créé et le ciel, et ce qu'il y a au-dessus du ciel, et ce qu'il y a en dessous du ciel. Ils se basent pour justifier leur mauvaise croyance sur le hadith de la femme esclave. Hadith dont le sens apparent vient contredire plusieurs hadiths très connus des musulmans, parmi lesquels la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Bunya al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan rasulullah, wa iqami salah, wa itai zakah, wa sawmi ramadan, wa hajj al-bayt. Hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui signifie l'islam est basé sur cinq principaux devoirs. Le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah, lui seul sans associé, et que Muhammad est le messager de Allah, et l'accomplissement de la prière, et le versement de la zakat, et le jeûne de Ramadan, et le pèlerinage à la maison sacrée. Donc suite à ce hadith, on comprend que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est basé sur la prononciation des deux témoignages, c'est-à-dire « Ash-hadu an la ilaha illallah » ou « Ash-hadu anna Muhammad al-Rasulullah » pour juger la personne croyante. Et il ne s'est pas basé sur le fait qu'elle reconnaisse que Allah est dans une direction, c'est-à-dire au-dessus d'un endroit ou en dessous d'un autre endroit. Ce tract prend pour référence des ouvrages récents, c'est-à-dire qui sont apparus lors du XXe siècle, et qui prennent pour auteur des gens comme Uthaymin, qui sont tous morts récemment. Voici maintenant ce qui a été exposé dans le livre Al-Fatawa Al-Hindiya, qui est un recueil de fatwa de savants hanafites, c'est-à-dire des savants qui suivent l'imam Abu Hanifa, radiallahu anhu, qui est né en l'an 80 de l'Hégire et décédé en l'an 150 de l'Hégire, qui fait partie des salafs véridiques. Ce livre a été composé par des savants du continent asiatique,
principalement de l'Inde, d'où son nom. Ce livre regroupe presque tous les avis de l'école, c'est-à-dire de l'école hanafite, et est une référence dans cette école jusqu'à nos jours. Et il a été écrit il y a plus de 300 ans, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre récent. Donc il est cité dans le volume 2, à la page 353, comme vous le voyez, ce qui signifie, si la personne dit Allah fis sama, donc il rapporte le jugement de la personne qui dit cette parole-là. Ils disent, il y a deux cas. Le premier cas, si la personne qui dit cette parole-là visait le simple fait de répéter ce qui est parvenu de manière apparente dans les textes. C'est-à-dire que simplement, il répète cette parole sans comprendre le sens de ce qu'il dit. Dans ce cas-là, il ne commet pas de mécréance. Et le deuxième cas, s'il visait par cela l'endroit, alors il commet la mécréance. C'est-à-dire qu'il n'est pas musulman. C'est-à-dire que si par la parole Allah, fis sama, il visait que Allah était dans un endroit, c'est-à-dire dans un endroit, c'est qu'ils disent que fi ici signifie dans ou au-dessus, ils ont dit qu'il était mécréant. Les points à retenir de ceci sont tout d'abord que ce livre a été écrit il y a plus de 300 ans par plus de 500 savants hanafites. Ce n'est donc pas un nouveau jugement dans la religion, ce n'est pas quelque chose qui est apparu récemment. Deuxièmement, ces savants n'ont écrit que les fatwas sur lesquels il n'y avait aucune contestation. Ensuite, on comprend aussi que celui qui dit que Allah fi sama, en visant par là que Allah est dans le ciel ou au-dessus du ciel, est mécréant. Il n'est pas musulman. C'est-à-dire qu'ils disent que fi signifie dans ou qu'ils disent que fi signifie au-dessus, il est mécréant, non-croyant, non-musulman, car il aura attribué l'endroit et la direction à Allah, qui sont parmi les caractéristiques des créatures. Et enfin, ce qui est à prendre en compte dans cette parole, ce n'est pas une mauvaise traduction. Certains vous diront que c'est la traduction qui est mauvaise. Mais ce qu'ils ont cité, les savants, c'est la compréhension de la personne. C'est-à-dire que la personne qui dit que Allah fit sama, dans le sens que Allah est dans le ciel ou au-dessus du ciel, est déclarée mécréante sans aucun doute, non croyante. Elle ne suit pas le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle ne suit aucun des savants musulmans. Attribuer à Dieu une des caractéristiques des créatures et de la mécréance, sans aucun doute. Et le fait d'être dans un endroit ou au-dessus d'un endroit est parmi les caractéristiques des créatures. Et donc dire que Allah est dans un endroit ou au-dessus d'un endroit est une mécréance, sans aucune divergence, sans aucun doute. Soyez donc en garde contre ce tract, qui s'appelle le seul crime que Allah ne pardonne pas, et mettez les gens en garde contre lui. Et voici la fin de mes propos, et je demande à Allah de me préserver ainsi que vous du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Walhamdulillahi rabbil سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.